Coucou mes petites biches et bienvenue dans une vidéo qui est un petit peu spéciale car aujourd'hui j'ai une annonce à vous faire et vous savez que c'est pas mon genre de dire ça à la légère. Enfin, je lance mon podcast qui s'appelle Le Vaisseau Mère. Ça fait 2 ans environ que j'ai commencé à penser à ce podcast. À la base, je pensais faire ce podcast autour de mon expérience du postpartum et de ma maternité, mais plus le temps a passé et plus je me suis rendu compte que ce serait encore mieux si je partageais d'autres histoires en plus de la mienne. J'avais vraiment envie d'un espace de partage, d'un espace de discussion pour tous les parents, toutes les mamans. Et de là est venue la concrétisation du vaisseau mère. Nous allons donc avoir des épisodes qui seront à la fois sur YouTube et sur les plateformes de podcast et qui seront vraiment des papotes. Des discussions avec Pintou bien sûr, comme toujours. Des discussions entre mères, des discussions où je vais interviewer, mais de manière très relaxe, vraiment comme une papote, des mamans qui sont jeunes mamans ou mamans un peu plus expérimentées, hein, qui ont déjà des enfants un peu plus grands, parce que oui, on est dans une période de libération de la parole, et oui, moi je vous ai beaucoup parlé de mon expérience qui a été un petit peu difficile au début, je m'en suis pas cachée, mais j'ai aussi envie qu'on parle de tous les postpartum. Des bons moments, des mauvais moments, des moments difficiles, des expériences dans différents pays, des expériences avec dépression, sans dépression, des moments où tout va bien, des moments où tout va mal, c'est de tout ça dont on va parler dans le vaisseau mère. Exceptionnellement, le premier épisode sortira un samedi, le samedi 10 septembre, mais après, les épisodes seront en ligne chaque premier dimanche du mois. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux au rendez-vous, et j'espère que vous apprécierez ce nouveau format dans lequel je me lance. C'est un petit peu impressionnant, donc surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours une fois que le premier épisode sera en ligne, bien sûr. Moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt!